Salut, c'est l'Astangel. Alors, on se retrouve pour la 7e mission de la campagne IMC. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop fort parce qu'on est dans la nuit de samedi à dimanche. Il est 2h30 du matin. J'arrivais pas à dormir, donc je me suis dit, bah, je vais finir les vidéos. À tout le personnel, Je vous laisse regarder la petite vidéo d'intro comme d'hab. l'attaque de la milice sur cette base est imminente. Tenez-vous prêts au déploiement ennemi. Tout porte à croire qu'il projette de détruire les tours de répulsion au cœur de ce complexe. La milice ne reculera devant rien pour détruire ces tours. Si nous échouons, cet endroit sera à la merci des éléments. Allons dérouiller l'ennemi. Grève terminée. Ouais, j'aime bien faire le couillon comme ça. Il suffit qu'il y en ait un qui commence et puis les autres qui suivent. Bon, allez, c'est parti. Donc là, on est en attrition. Donc le but du jeu, c'est de casser du pilote, comme d'habitude. Alors généralement, ça se passe sur les toits dès le départ. Donc on va y aller direct avant que les autres qui arrivent. Il y a déjà deux titans sur la mini-carte de l'autre côté. Là, il y a un pilote qui essaye de se barrer vers la droite. On va essayer de le rattraper. Et c'est un malin, il veut prendre tous les collègues par derrière. Et tiens, mange, 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 mange. Voilà, ça c'est fait. Alors, on y retourne. Parce que de toute façon, on doit y avoir d'autres. Non, rien. Par contre, il y a les deux titans qui vont être casse-couilles là. Ça c'est du. Ouais, c'est dommage qu'on n'arrive pas à dissocier les bottes des pilotes avec le radar impulsion comme ça. Je pense que ça devait être des bottes, ils se déplaçaient pas très vite, on va aller voir de l'autre côté. Voilà, lui, il va manger un peu, voilà. Comme arme, je vous la recommande hein, vraiment celle-là, hein, pour en tant qu'arme anti-titan déjà d'une part. Elle est assez efficace, il vient d'où lui? Ah, il est là-haut. T'as le bâtard. Oh, merde, je me suis fait niquer. Non, il a bien joué là-dessus. Allez, donc oui, je vous la recommande comme arme parce que déjà contre les titans, elle est assez efficace. Et si vous vous retrouvez face à un pilote ou un truc comme ça... Merde, bon, bah, c'est pas grave. L'autre, on va aller le pécho, là, celui qui m'a niqué tout à l'heure. Parce que comme c'est une campouse, il doit encore être là. Bah, bien sûr, voilà, tiens, ça c'est fait. Oui, donc avec le lance-grenade, là, si vous vous retrouvez face à un pilote alors que vous êtes en train d'essayer d'attaquer un titan, bah, vous pourrez toujours vous défendre et lui balancer des grenades dans la gueule aussi. Il y a quelque chose qui me tire dessus, je crois, derrière. Moi, j'ai pas vu. Voilà, alors qu'avec le lance-roquette ou les autres armes, bah, c'est des armes que vous pouvez utiliser que contre les titans, quoi. Donc, ça... Oh putain, putain, dégage, putain. Il veut pas claquer, lui. Si, c'est fait. Donc, ouais, voilà, donc, ouais, comme arme, donc c'est assez efficace. C'est dommage d'ailleurs que finalement, avec toutes les armes anti-titans qu'il y a, il y en a qu'une qui vaille le coup finalement, quoi. Enfin, bref, il y aura peut-être du contenu par la suite un peu mieux. Oh putain. Là, il y en a un qui est passé par là, mais il a disparu. Il a disparu. Bah, tant pis. Bon. Alors, en attendant d'être titan, on va continuer à casser du pilote. Il n'y a rien. Putain, d'habitude, ça foisonne là-dedans. Ça, c'est du bot, pardon. Ça, c'est du bot aussi, sûrement. Ouais. Alors. Attends, je vois pas de titans sur la carte, ils sont là. Ah, si, ils sont, il y a des titans, bah je les voyais pas sur la carte. C'est curieux ça. Hein. Allez. Hop. Alors, on va retourner par là. Parce que. Tiens, là, lui. On va essayer de se le faire sans qu'il ait le temps de nous voir. Ni de nous shooter. Allez, allez, bouge, 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 bouge. Non, tant pis, on va pas le prendre par en haut parce que j'ai foiré mon coup. On va essayer, on va jongler entre les gars. D'où ça vient ça? D'où ça vient? Allez, casse-toi, 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 casse-toi. Ah, ça y est, mon titan est arrivé. Donc, on va pouvoir. On va pouvoir les démonter, les autres titans. Enfin, on va essayer. Allez, go. C'est parti. Alors où c'est qui sont-ils? Alors il y a la tourelle là-haut qui est casse-couille, on va qu'on fasse gaffe sur la mini-carte. Allez, on saute. On saute après. Allez, on saute, on saute. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est un pote. Allez, on va casser du bot. On va casser du bot. C'est con ce que je fais là parce que je suis en train d'utiliser toutes mes balles de mitrailleuse, et voilà, si 20 titans qui arrivent, là je suis en train de recharger, je suis mal. Mais bon, je réagis bien en général. Je commence à bien gérer les titans normalement. Alors,
ça c'est fait. De toute façon, ça fait des points d'attrition. Et on avait un petit peu de retard, comme quoi il faut quand même aussi jongler avec les bottes. Ouais, on avait un tout petit peu d'avance, on va essayer de la conserver. Alors, oh putain, alors lui, on va essayer de faire ce que j'aime bien, c'est-à-dire d'arracher le pilote. Là, ça va le faire, je pense que ça va le faire. Non, merde, il a pété avant. Alors il me reste pas beaucoup de bouclier, donc il faut, enfin d'armure, là il faut que je laisse le temps à mon bouclier de se recharger. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux? Attends, tu peux perdre, bouge pas comme ça. Putain, oh bah il est sur mon truc, bah il est ouf quoi. Attends, ah merde, j'avais, merde. Ah, là je me suis fait surprendre parce que j'avais encore mon arme, mon petit titan dans les mains. Et donc du coup, bah, j'ai un petit peu abîmé mon titan. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il est quasiment foutu. On va voir ce qu'on peut faire avec ce qui reste. Alors, si le bouclier voulait bien se recharger, non, bah tant pis. On va tamer quand même les autres. Je vais essayer d'arriver à me le faire quand même. Ouais, ça va être bon, ça va être bon, ça va le faire, ça va le faire. Allez, dégage-toi. Allez, hop. Et tac. Je l'ai plus joli comme une merde. Oui, j'ai pas trop mal géré ce coulage, je suis pas mécontent. Là, pourtant mon titan, il reste pas grand chose. Là, on va essayer de s'en faire un deuxième avant que mon titan aille à la casse. On devrait peut-être y arriver. Oui. Oh putain, non, pas trop fort. Tais-toi, il y en a qui dorment. Pardon. Alors excusez-moi, mais je suis obligé de tenir compte aussi des gens qui, eux, ont sommeil. Voilà, alors on y retourne. Putain, sans déconner. Sans vouloir monter, je crois que j'ai bien géré le truc parce que. Allez, un troisième titan, ça serait. Alors ça sera la cerise sur le gâteau. Allez. Bah lui, je sais pas ce qu'il fait. Il a l'air tout fou ce titan là. Je sais, il s'était mis à genoux et tout. Allez, ah bah non, il va. Non, bah j'aurai pas le temps. Bon, on va mourir ensemble, je pense. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, j'aurais dû m'éjecter plus tôt, mais je voulais vraiment avoir le troisième. Bon, ça va, on s'en sort pas trop mal. Alors, on a toujours pas beaucoup d'avance, hein. Il n'y a que quelques kills, hein. Il faudrait que je me fasse quelques pilotes, là, que ça augmente un peu les kills. J'arrive pas à les trouver depuis tout à l'heure, c'est chiant ça. Alors, où êtes-vous? Où êtes-vous, petit pilote? Ah, il y en a un déjà qui campouse. Bah oui, ça doit être ça, c'est il campe, les mecs. Il campouse, déjà il y avait l'autre tout à l'heure sur le hangar, là maintenant celui-là qui traîne dans le coin, à moins que ce ne soit le même, j'ai pas fait attention à son pseudo tout à l'heure. Là on va essayer de désactiver. Oh putain, t'es où toi? Ah d'accord, ok, mais claque, putain, claque. Putain, il est où ce con? Il est passé où? Il est revenu au-dessus, là il y a un titan, on va l'éviter. Ah bah t'es là, voilà toi. Non, il veut pas mourir. Putain. Là, les combats rapprochés, c'est la merde. Ça. C'est assez précis ce jeu. Quand tu shootes les mecs de loin ou à moyenne portée, mais dès que t'es à. Dès que t'es en combat rapproché, là, comme on était tout à l'heure, c'est souvent du. Presque du piloufage, j'ai envie de dire. Parce que le netcode est mauvais. Est vraiment mauvais. En combat rapproché, et il vaut mieux éviter d'être aussi près qu'on était tout à l'heure. Bon, là, on a désarmé la mitrailleuse parce que, comme j'ai appelé mon titan, j'ai pas envie de me faire agacer par ça. Voilà. Donc, alors, a priori, les titans, non, celle de l'autre côté. Est-ce que j'en vois un en boule et il y en a un autre derrière? Non, c'est un pilote qui est derrière. Je dors à moitié. Allez, enfin, je dors à moitié. Je suis entre l'endormissement et le réveil, alors que je n'ai même pas encore dormi. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Mais bon, alors qu'il est. Allez, on va peut-être arriver à renouveler l'exploit tout à l'heure. Je ne crois pas, parce que là, ils sont beaucoup trop nombreux. Allez, casse-toi, Angel. Ouais, non, il faut s'éjecter, là, éjecte-toi. Ouais. Là, puis du coup, on va la paumer. Ils ont repris d'un coup
le retard qu'il y avait. Et puis ils ont pris une considérable avance. On va essayer de se barrer la tête haute quand même. Voilà, encore un pilote en vrac. Si je pouvais faire un titan avant la fin, ça serait pas mal. Ouais, non. On va essayer. Hein. Ah, ça, c'est toujours ça de prix, pilote. Alors, on va essayer de se casser. Alors, si on peut pas avoir un titan, on va se casser. Voilà. Il est loin le point. Je suis pas sûr d'arriver à l'avoir. Ah, j'aurais dû prendre la tyrolienne. Mais en fait, t'es con. Ah, maintenant, c'est trop tard. Quoique, on va peut-être arriver. En passant sur le côté, c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Il y a peut-être pas à regretter. Alors on va attendre de voir si déjà ça tient le coup, le truc là. Je vais essayer de monter la dernière seconde. Allez, hop. Ah, merde. Oh merde. Putain, non, je suis deg. Ouais, ça aurait pu être mieux fait ça. Bon, bah, c'est pas trop mal, on va dire. Alors qu'il est, on va dire que c'est pas trop mal. Bon ben voilà, cette petite vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit j'aime, comme d'hab, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Là, de toute façon, je vais vous faire les deux dernières qui restent, je pense, là, parce que j'ai pas sommeil. Allez, à plus, bientôt.